Deum aeternam dona eis Domine. Et plus perpetuarum cera Dei. Requiescat in pace. Le Père Lionel Déhou nous rappelle notre condition d'homme.
et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils de Dieu. Et pour nous, brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur Lionel. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie, signe de ton amitié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Père Déo a porté les tons lorsqu'il rassemblait les hommes, les humains pour partager ta main et ta parole. Nous allons disposer les tons sur l'autre. Que maintenant, Seigneur, se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché avec le vêtement de fête de tes amis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Préparons-nous à cette célébration qui n'est pas une célébration de tristesse et de mort, qui est plutôt une célébration de résurrection et d'espérance. Reconnaissons nos fautes, nos lenteurs, nos limites et prions en communion avec nos frères bien-aimés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'ils soient prêts à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qui l'a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sagesse, chapitre 3, verset 1er, du 6e au 9e verset. La vie des justes, est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. L'ère de peur de ce monde a passé par un malheur, car ils nous ont quittés. On les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils savaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Amen.
Qui nous a quittés le 7 juin 2020
en la fête de la Trinité Sainte. Nous voulons donc ce matin prier avec lui et pour lui, mais surtout remercier Dieu pour le don de sa vie. Nous voulons en cette circonstance bien particulière lui donner notre adieu, saluer sa riche et belle mémoire. Mais surtout, nous voulons exprimer à Dieu notre reconnaissance et notre gratitude infinie pour la belle et enrichissante vie spirituelle de ce digne fils du terroir, que nous pouvons dire du terroir de Port-au-Prince et d'Enip. Père Déroux fut un grand contemplatif au cœur de l'Église d'Haïti. Nous voulons donc, avec lui et pour lui, nous tourner vers l'éternelle espérance qui se trouve en Dieu, qui ne déçoit pas, qui donne du sens et de la signification à ce que nous sommes en train de faire ce matin, donc à notre célébration, à tous nos gestes de prière, de solidarité, à nos paroles de communion et de sympathie. Je ne saurais ce matin continuer cette petite méditation sans me tourner vers Monseigneur Alex Verrier, Son Excellence Monseigneur Alex Verrier, l'évêque des Cayes, qui, dans son diocèse, avait accueilli cette communauté dans sa fondation. Monseigneur, merci pour avoir découvert que dans l'Église d'Haïti, Dieu continue à susciter des charismes nouveaux. Merci pour tout l'accueil que vous avez réservé au Père Déroux, à ses sœurs et encore à ses quelques frères. Monseigneur, de tout cœur, soyez remercié. Merci pour tout ce que vous avez fait dans l'Église d'Haïti. Merci pour ce que vous représentez pour nous, pour les prêtres des Cayes. Merci aussi pour ce que vous avez toujours fait pour Saint-Jean, ma terre d'origine. Frère Maxime Yo, c'est donc ce matin dans ce climat mystique de la communion des saints, de la résurrection et de la grande espérance que nous célébrons la nouvelle naissance au ciel de notre Père Déroux. C'est donc un rassemblement de foi que nous vivons dans la plus grande confiance et la plus grande sérénité. Nos cœurs et nos regards sont tournés vers Dieu, car nous croyons que ceux qui croient en lui vraiment, comme nous dit la liturgie, ne meurent pas. Ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. En effet, cette cérémonie en l'honneur du Père Déroux se veut un temps fort d'action de grâce au Seigneur pour ce qu'il fit pour chacun de nous, pour ce trésor de sagesse et de vie spirituelle qu'il représenta, pour cette richesse d'humanité qu'il incarna, pour ce cadeau du ciel qu'il vivait au milieu de nous, pour chacun de nous, pour Haïti, pour la vie religieuse dans notre pays, pour l'Église catholique, pour les petites servantes et les petits serviteurs de Jésus aussi, pour le clergé d'Anime et de Port-au-Prince, pour tous ceux et toutes celles qu'il avait connus, rencontrés, aimés, appréciés et fréquentés. Frère Maxime Yo, qui est-ce Père Lionel Déroussa Téye? Né à Port-au-Prince le 9 mai 1940 d'une famille catholique d'origine nipoise et de la Grandance dans la zone de Grand Boucan. Il reçut les sacrements de l'initiation chrétienne et fit son éducation chez les frères de Saint-Louis de Gonzague. Puis, il termina sa formation au petit séminaire Collège Saint-Martial. Plus tard, il embrassa l'esprit d'équipe de fraternité de compagnie chez les Louveteaux et les Scouts d'Haïti, dont il devint un des responsables. Peu de temps après, il a rencontré le Christ sur son chemin et a découvert sa vocation à marcher à la suite de son Seigneur. Il se rendit à Dijon et à Marseille, chez les petits frères de Jésus, avec René Voyaume, dans la communauté fondée par le noble et dissolu officier, devenu déjà bienheureux dans l'Église, le Père Charles Foucault, qui est un frère universel, qui appelait les jeunes à imiter l'amour de Jésus, à prêcher par l'exemple en vivant parmi les pauvres, dans un dépouillement total. Puis le Père Déroux, à son retour en Haïti, il entra le 4 avril 1961 chez les petits frères de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, créés par le Père Louis Charles, à Rivière-Froide pour s'occuper au niveau spirituel et matériel
des paysans pauvres des montagnes éloignées d'Haïti. Puis, le père Desroux entra au grand séminaire Notre-Dame en octobre 1961. Après un temps chez les Voluntas Dei au Nouveau-Brunswick au Canada, pour terminer sa formation, il fut ordonné prêtre en août 1972 dans la fête de la Transfiguration de notre Seigneur, soit le 6 août, nommé vicaire à la paroisse Saint-Charles-Borromée de Carrefour et à Pétionville. Il devint administrateur de Bellefontaine. Il fonda Ducrabon, Bellefontaine, le 24 juin 1976, à la fête de Saint-Jean-Baptiste, l'Association des Petits Servants de Jésus-Hostie et du Cœur Immaculé de Marie et de Saint-Joseph, future congrégation religieuse. Puis le 22 août 1984, son association est devenue une fondation officielle à l'étranger, ayant le Père Michel comme cofondateur, une fondation qui sera reconnue officiellement par Son Excellence Monseigneur Alex Verrier le 1er juillet 2000 avec l'approbation de Rome comme congrégation religieuse de droit diocésain. À mon arrivée dans le diocèse en juillet 2008, le Père Desroux m'accueilla avec beaucoup de joie. En tant qu'ordinaire du lieu, il est venu me voir plusieurs reprises pour finaliser le dossier. Ce que nous avons fait, nous avons reconfirmé ce que Mgr Verrier avait déjà commencé. Ainsi, la fondation des petits frères était demandée par Rome comme lieu de séparation avec les sœurs. Et nous avons donné l'approbation pour que cette expérience puisse se continuer, se vivre ici. Le Père Lionel Desroux, qui est couché ici dans ce cercueil, est une vie vécue dans l'action et la contemplation à la suite du Christ. Il passa grandement de sa vie dans l'adoration perpétuelle, jour et nuit, pour le salut des âmes et la délivrance des âmes du purgatoire. Il s'est offert totalement pendant 39 années de lutte pour soulever l'espérance pour les enfants orphelins de la région et pour améliorer la vie des plus pauvres de son orphelinat en les éduquant et en les formant pour répondre à leur vocation et mission que Dieu leur donne dans la vie. L'amour du Christ et de l'Église a consommé la vie du Père Desroux. Déjà de son vivant, ce n'était plus lui qui vivait, c'est le Christ qui vivait dans lui. Sa vie fut une vie qui nous parlait et qui aujourd'hui encore continue à nous interpeller. Le cœur du message que ce regretté bien-aimé Père nous a laissé, dont nous allons déposer aujourd'hui le corps dans la terre, comme semence d'immortalité avec le cœur rempli de tristesse, mais aussi de joyeuse espérance et de profonde gratitude pour rester humain ici. Tout à Dieu par amour, tout pour Dieu pour l'amour, tout avec Dieu de l'amour. Dans son cœur, le Jésus Caritas, Jésus Amour, de Charles de Foucault, rayonnait. Et son esprit dans cette singularité d'amour était comme remis entre les mains du Père. Le Père Desroux était l'homme de prière et de contemplation, un homme d'action. Il fut un vrai fils spirituel du bienheureux frère Charles de Foucault et du vénérable Père Louis Farnèse Richard, fondateur de la première congrégation masculine autochtone d'Haïti qui se consacra au service des pauvres paysans. Le Père Desroux, à l'instar de ses deux grands mentors, était devenu pour nous une référence féconde et sûre, qui nous invita tous à accueillir l'Évangile dans toute sa simplicité, à répondre à l'appel à la conversion jour après jour, à vivre un style de vie radicalement évangélique, à évangéliser sans vouloir imposer, à témoigner de Jésus dans le respect des autres expériences, à réaffirmer le primat de la charité vécue dans la fraternité, à réconcilier la lutte et la contemplation, le travail, la prière, l'action et la vie mystique. Le Père Desroux fut un grand mapou national, un bel exemple de prêtre pour l'Église d'Haïti, un modèle de contemplatif, une référence de vie consacrée, un point de repère et un père pour beaucoup d'entre nous. Il est passé grâce à l'amour de Dieu de la mort à la vie, nous pouvons dire ce matin. Il a vécu sa Pâque d'amour avec son bien-aimé qu'il a toujours cherché, sa vie durant. Il fut un religieux solide, une figure emblématique de notre Église locale, un homme bienveillant et humble, un grand croyant qui sut utiliser sa foi, son amour, son génie, son intuition créatrice et son intelligence émotionnelle pour toucher les cœurs. L'amour du Christ, comme dit l'apôtre, le pressait toujours le Père Lionel et le poussait tout le temps
Il était conscient que l'amour était ce qui édifiait et construisait une vie, tandis que la science orgueilleuse parfois peut nous gonfler et nous porter à devenir des gens autoréférentiels. Le père Desroux a été prêt jusqu'au bout. Il s'est donné sans se plaindre jusqu'à la fin. Celui qui avait tout quitté pour suivre le Christ a connu la restitution au centuple ici de tout, et maintenant l'heure du nom Dimitris a sonné pour lui et il s'apprête à entrer dans la vie éternelle que le Christ lui a promise. Frère Maxime Mio, dans le groupe Petite Thérèse, l'enfant Jésus, Père Desroux, t'es cherché en pile la vocation qui sa bon Dieu te voulait que vive. Nous n'avons pas couru par quel côté que le passé, mais mon Dieu t'est révélé pour tous les fondateurs et nos communautés. Et c'est dans ça qu'on a dépensé toute l'énergie jusqu'à ce que lui salue nous avant hier, pour que la prière nous travers nous sentir que nous remettons complètement dans mes bon Dieu. Il est devenu une petite flamme d'amour comme la petite Thérèse, un père fondateur d'une nouvelle communauté autochtone qui rappelle que la mission de l'Église se synthétise en contemplation et action, humanité et spiritualité, évangélisation et promotion humaine, prière et engagement, amour de Dieu et responsabilité pour les frères et sœurs. Notre frère Lionel avait une belle personnalité et était toujours fier d'être ce qu'il était aux yeux de Dieu. Il était toujours en tenue de service, vigilant, toujours prudent et religieux, vrai, exceptionnel et authentique. Il était un homme courageux, résilient, fort, doux et libre intérieurement. Il avait beaucoup de cœur et savait se mettre au service des frères en servant Dieu. Dans sa vie de contemplative, il laissait transparaître une candeur d'enfant, une candeur de l'Évangile. Ce dont nous avons écouté ce matin dans le texte des Béatitudes. Il vivait de cet esprit des Béatitudes et développait une intelligence intuitive et émotionnelle profonde. Il était habité par la passion de la contemplation. Sa vie était pétrie et imprégnée de prière. Pour lui, la prière était une descente dans les profondeurs de Dieu. C'était le levier de toute action solide et la source même du tonus spirituel, personnel et communautaire de toute vie. Quand on prie les bras levés au ciel dans le silence des profondeurs, on devient fort et l'on remporte la victoire sur l'ennemi, comme nous dit le livre de l'Exode. Oui, comme il est doux, comme il est bon d'être avec le Seigneur, de goûter sa présence. Père Desroux, tu crois dans ça. C'est la contemplation qui permet à l'âme de respirer. Oui, on doit être contemplatif toujours dans l'action, comme disait le Jésus Jérôme Nadal. Et c'est Bonaventure ajoutait, Alice contemplata tradere. Oui, nous ne pouvons transmettre à d'autres que ce que nous avons contemplé. On ne peut partager, oui, ce que l'on a vu, senti, écouté, touché, expérimenté. Ou comme le rappelait Ousmane Balthazar, on n'a rien à dire aux autres si on n'a pas contemplé dans la prière. Ou encore, il a fait sienne la parole de Saint-Benoît, ora et labora. Prier, travail, contempler, agir. Agir, non pas s'agiter. Agir et agiter sont différents. La prière et l'action de grâce étaient toujours unies dans sa vie dans une harmonisation qui impressionne. Prier, pour lui, c'était pour mieux servir. Servir pour mieux s'enraciner de la prière. Une prière sans action est vide et stérile. C'est de la contemplation, c'est de ce rapport d'amitié avec Dieu que peut naître la solidité d'une vie intérieure. Frère Maxime, venez montrer nous la vie en nous toutes, nous unis, contemplation et action dans le cœur nous. C'est pour reconnaître son seul bagage qui est nécessaire, c'est l'aider l'envier mon Dieu. C'est tourner nous, by mon Dieu, tourner cœur nous, by mon Dieu, et c'est choisi Jean-Marie Téfer pour bien par ça. Concernant tous les mondes qui vivent l'esprit miséricorde, esprit béatitude, Dieu. Pédez-vous, dérivez, comprendre que l'écoute intérieure attentive doit pousser la fumée à réaliser les bonnes actions. Mais les actions positives ne peuvent s'accomplir qu'avec une belle intériorité. C'est Marie qui, après avoir écouté le Maître, va verser le baume de parfum sur les pieds de Jésus. Mettons-nous, nous aussi, comme Marie, comme le Père des roues aux pieds de Jésus, pour écouter sa voix d'amour, afin de mettre nos pieds dans la voie qu'il a tracée pour nous.
le Père Descoux a ouvert une voie, pas seulement pour ses sœurs, pour ses frères. La voie qu'il a ouverte appartient désormais à toute l'Église, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, engagés, tous, nous pouvons suivre le chemin sur lequel il a cheminé, il a marché. C'est avec les pieds, ces pieds-là, que nous pouvons nous remettre debout et remettre debout notre monde. C'est avec ses pieds qu'on pourra continuer l'histoire de son charisme et qu'on peut aller en mission ailleurs, mais aussi qu'on peut transmettre à d'autres générations la prophétie historique de son charisme. Frère Max Sergio, les fondateurs qui étaient du monde charismatique font nos communautés. Les qui étaient communautés à la joie de mon Dieu, mon charisme de groupe qui veut continuer pendant que la paix défile la fraîcheur de vocation ça. Pendant que les croix comptent dans le ciel, nous demandons de continuer à veiller, prier pour mes petits frères, petites servantes, petits serviteurs de Jésus aussi, pour que toute belle bagaille que vous commencé par voir ici, capable de continuer à grandir pour ça qui est bien, pour ça qui est belle, pour ça qui est bon. Oui, que sensibilité de gagner, compassion de gagner, la ville que vous avez pour elle ça, que un lien va profaner elle ça, que elle n'a pas gagné. Mais que tout le monde accepte de faire sacrifice pour que nous vivions, quitter mon Dieu avec l'Esprit Saint, réaliser la qualité belle œuvre que mon Dieu a commencé dans la vie, pour nous porter à la perfection. Pour perdre où, qui déclenche une dévotion à mon mari, au cœur immaculé de Marie, à Saint Joseph, à Saint Michel Archange, à cette dégâts de l'enfant Jésus, c'est pour lui-même, pour le cas de Dieu, de continuer dans la prière ça pour nous, pour belle œuvre ça qu'a réalisé. Pour belle débauche de projet, ça a arrivé pour pied tout mon vrai. Pour que nous tous comprenions, ça, mon Dieu, de commencer dans le diable, c'est pas au hasard. C'est une parole, mon Dieu, de bon nous, pour que nous comprenions que Nexa, qui parle avec nous aujourd'hui, à monter dans le ciel, Nexa, bon Dieu, de l'écrit une belle page d'histoire spirituelle avec. Ça qui nous tous devons chercher, quitte nous ces membres communautaires, quitte nous ces amis, quitte nous ces associés, quitte nous ces pères de ces ni ou Port-au-Prince, ou l'autre côté que la communauté a présent. Faut nous tous des préoccupations et soucis pour aider la communauté à grandir une plus belle, chaque jour plus, avec bénédiction pour Dieu. Nous chercher, quitter l'esprit de l'attitude là, remplir que nous, pour nous pouvoir perdre le monde qui est que nous, qui sait. Il y a des gens qui ne sont pas compliqués, il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui ne jugent pas, il y a des gens qui ont même pardonné, il y a des gens qui aiment le silence, mais surtout il y a des gens qui aiment la prière. L'Église a perdu en cet homme de grandes vertus héroïques, quelqu'un de digne, le digne fils du terroir, aux vertus provinciales affirmées et aux valeurs de notre Haïti éternelle, comme le prêchait autrefois le père Fanèse. Oui, M. Sayo, je te comprends. Pour qu'on vive l'évangile, il faut grandir dans l'haïtianité. Il faut grandir dans sa vie. Il faut quitter l'haïtianité derrière. Il faut quitter l'humanité grandir. Il faut quitter monter au grandir vers le ciel là. Avec son départ, c'est un baobab qui est parti. C'est une colonne fondatrice qui est tombée. Que les frères et les sœurs trouvent en lui un point de repère et une référence sûre. Et nous devons continuer à fouiller, creuser, bêcher pour bien garder le trésor qu'il nous a confié. Nous devons renforcer le don de son patrimoine. Nous devons le valoriser davantage. Nous devons stimuler le chemin de croissance de ce trésor qu'il nous a laissé en terre. Que nous puissions garder son legs spirituel, son legacy humain et communautaire pour le transmettre aux générations à venir. Que le témoignage lumineux de sa vie, pétri d'amour, de bonté, de prière, nous rappelle que l'amour doit toujours avoir le dernier mot et que c'est la beauté de la vie donnée qui sauvera notre monde de la superficialité, des agitations excessives et de la dispersion. Frère Maxime, en rendant ce matin cet hommage mérité à Père Lionel Dehou, nous nous devons humblement de nous engager sur ses pas et de marcher sur la route qu'il a tracé pour nous. Nous nous devons aussi de nous donner pour faire avancer sa belle communauté de foi, de vie fraternelle, de contemplation, de solidarité avec les paysans pauvres des morts, avec les plus vulnérables de notre société, les blessés de la vie, les crucifiés de l'histoire, les damnés de la terre et les rebuts de l'humanité. Nous, bagage qui est toujours frappé,
malgré situation précaire au niveau économique communautaire, depuis que mon cas, ou pas jamais demandé de pour nous ou non. Nous avons le premier père, dans le père mieux que nous avons donné, c'est là où nous tout passé, nous faire retraite. Si nous avons des économes, nous avons compris nos émeilles, nous avons compris nos frères, nous avons la carte. Père où toujours jouer une solution à problème. Parce que il n'est pas attaché directement à bagage matériel. Et il mettait l'esprit ça dans mes depuis supérieur jusqu'au dernier timer qui fait rentrer là. Son esprit qui était rentré dans la ville parce que il y a une autre valeur, il y a des bagages qui sont plus importants. Et Père de Roux, tu voulais mener tout le monde à ce qui est essentiel, à l'évangile, à la foi, à la prière, à la rencontre avec Dieu, à la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Notre Père de Roux, ce matin, comme dit la petite Thérèse, n'est pas mort. Un homme comme lui ne peut pas mourir. Il est entré dans la vie. Et nous voulons, comme le disait la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qu'il passe son ciel à faire du bien sur la terre. Du bien sur la terre pour sa communauté. Du bien sur la terre pour notre diocèse. Du bien sur la terre pour chacune d'entre nous, pour ses frères et sœurs. Nous aimerions aussi qu'il fasse pleuvoir, comme disait encore la petite Thérèse, une pluie d'amour sur chacun de nous. Une pluie de roses pour que nous tous, nous montrions le bon esprit, la belle bagaille. Nous quittons tout ça à côté, puis quand on a derrière, que de là-haut, là où il se trouve maintenant auprès du Père, qu'il prie pour nous. Qu'il nous bénisse. Nous confions son âme à la tendre Mère Marie, qu'il avait beaucoup aimé, qu'il savait prier tous les jours dans le rosaire pour que Marie l'accueille dans le paradis. Je termine, frères et sœurs bien-aimés, en guise de conclusion, cette petite méditation avec la prière du bienheureux Charles de Foucault, que le Père, dans son jeune âge, avait suivi et qui va être bientôt canonisé. D'après ce que le Saint-Père, le Pape François, nous dit, puisqu'on vient de reconnaître le deuxième miracle accompli par le bienheureux Charles de Foucault. Et je cite, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je te confie mon âme. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce n'est qu'un besoin d'amour de me donner à toi. Je me remets entre tes mains sans mesure, avec une attitude, une infinie confiance, car tu es mon Père. Moi, crois, c'est ça, Père, t'as appelé ni frère, ni mère, ni nous-mêmes, Père diocèse, ni pour l'autre diocèse qui l'a, ni tout le monde qui te connaît, qui rencontré. Et c'est ça qui a fait un pile plaisir pour que nous ayons tous les mondes qui abandonnent avec confiance l'âme de Dieu. Et pour belle œuvre d'Iquitéa, pas fait bac, pas crasé, pour nous tous mettre, tous s'allier, tous s'allier, avec l'Esprit Saint, pour que l'œuvre soit arrivée en perfection, bon Dieu, t'es venu. Et c'est ça lui-même qui réalisé. Dès que mon Dieu va recevoir la mission, c'est arrivé saint. Père et vous, n'attendez pas miracle, il est capable de faire devant. Nous sommes capables de lancer le dossier comme dossier pour ces canonisations que Dieu sait là, vraiment des bons dieux de l'homme là. Requiem aeternam, dona ei domine, et lux perpetua, lucia ei, requiesca in pace. Amen. Amen. Qui a ressuscité les morts, son Fils unique, Jésus-Christ. Prions et chantons avec les sœurs. Prions le Seigneur. Amen.
Thank you.
notre Seigneur. Pour le monde, pour
animer nos cœurs. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce ce matin, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, avec le pape François, notre évêque Pierre-André Dumas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du premier père Lionel Grégoire de Roux, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Si tu as été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères défunts qui se sont endormis dans l'espérance de ta résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous ceux qui ont été emportés par le coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans bonne amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Papa
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il veut l'amour.
Pendant
car tu t'as amené, Père Lio, qui était toujours en communion avec tout le pape, que il était connaît et vivant ensemble avec eux. Et c'est ça que fait, il y a plusieurs représentants papes qui viennent visiter, et qui viennent visiter la communauté que le fondait. Et c'est comme ça, Nancy, qui se représente en pape, toujours bien manifesté la solidarité vraiment que Papio vient pour Père Lio avec le travail qu'il a fait avec nous, qui collaborateur. C'est dans comme ça, Monseigneur Eugène Martin Nugent, qui s'est non apostolique dans le pays d'Haïti, qui est représenté par François, et bien voulons l'être pour nous tous, pour dans l'occasion funérailles Père Lio. Il était bien content là physiquement, mais il était agressé de mettre ça. Et Monseigneur Dumas, madame Lille-Boule. Révérende Sœur Marie-Rose de Jésus, supérieure provinciale, supérieure générale des petites servantes de Jésus Hostie, du cœur immaculé de Marie et de Saint-Joseph. Nonciature apostolique en Haïti, Port-au-Prince, le 8 juin 2020. Révérende Sœur, j'ai appris avec infiniment de peine la triste nouvelle du décès du révérend Père Lionel Deroux. En effet, c'est un moment fort douloureux pour lequel nous tenons à vous offrir notre affection et notre soutien à la nonciature apostolique face à la perte de cette grande figure qui a donné toute son existence à la congrégation des petites servantes de Jésus Hostie, du cœur immaculé de Marie et de Saint-Joseph, qu'il a fondé avec amour et au service de l'Église catholique, pour qui il a été un modèle de vie sacerdotale. Je vous présente donc mes sincères condoléances et vous prie de transmettre mes sympathies à ses proches et aux membres de sa communauté religieuse. Soyez assurés de mes ferventes prières pour la paix et le repos de l'âme de l'illustre disparu que nous demandons au Seigneur de recevoir dans sa maison. Je vous prie d'agréer, révérende sœur, mes religieuses salutations. Eugène Martin Nugent, nonce apostolique, représentant Pape François dans le pays d'Haïti. Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse de Savoie et Miragouane, Excellence Monseigneur Alex Verbier, évêque émérite du diocèse de Savoie et Miragouane, excusez-moi, du diocèse de Caille, Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse de Savoie et Miragouane, Messeigneur le vicaire épiscopaux, révérend père, religieux et religieuses des congrégations des petits serviteurs et des petites servantes de Jésus Hostie, religieux et religieuses ici présents, membres de la famille naturelle du révérend père Lionel Deroux, amis proches des communautés, frères et sœurs, bonjour. La vie contemplative est le plus pur joyeux de l'Église du Christ. Les contemplatifs sont des adorateurs silencieux qui bâtissent le monde nouveau de l'an 2000. Phrase de Saint Jean-Paul II, dont il m'a cité le Père Lionel Deroux. Sur cet emploi, je devrais parler de la vie, mais une fatalité inévitable pèse sur nous en ce moment. À peine quittons-nous la tombe encore fraîche de notre très regrettée sœur Marie-Faustine, maîtresse des novices des petites servantes de Jésus Hostie. Nous revivons ce triste moment en pleurant cette fois-ci
le départ du père Lionel de Roux, fondateur des congrégations des petites servantes et des petits serviteurs de Jésus Hostie pour l'au-delà. La nuit du 18 mai 2019, père de Roux a fait une chute à l'entrée de la porte arrière de son bureau. Lorsqu'il fait jonction entre sa hanche et son fémur a été brisé, depuis lors, il portait une lourde souffrance. Malgré les interventions chirurgicales des principaux médecins, le père n'arrive pas vraiment à entrer en convalescence. Succombé par des terribles douleurs, il part pour la maison du père le 7 juin 2020 à 17h05 à l'âge de 80 ans. Mais au-delà de toutes ces épreuves, les faveurs de Dieu ne sont pas finies. Les miséricordes ne sont pas épuisées. Lamentations 3, verset 22. Comme chrétiens, dans la foi et l'espérance, nous pouvons dire que la mort n'est pas une fin, elle est une sorte de transformation. La mort est un passage de cette vie terrestre vers la vie divine. Donc la mort nous fait penser à une nouvelle vie. Allumons une flamme, ranimons notre espérance, évertions-nous à dépasser la tristesse et à croire que les liens qui sont tissés pendant la vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Tout cela à cause de notre foi en la résurrection des morts et en la vie éternelle. Père de Roux, notre fondateur, était un homme humble, pieux et charitable. Père de Roux va partir, et notre prière en sa faveur devient supplication pour que Dieu rappelle à lui cette belle âme qui, durant son séjour ici-bas, a tout fait pour sa gloire et pour le bonheur de tes semblables. Ainsi, le courant de vie qui nous vient de Dieu par le Christ arrose tout le corps de l'Église et nous fait déjà commencer à vivre sur cette terre cette union d'esprit et de volonté à Dieu en laquelle consistera notre bonheur éternel. Au fait, notre fondateur est parti avec le cœur ouvert et rempli de bénédictions. Nous renouvelons nos sympathies à tous ceux que ce deuil afflige, aux membres de la famille naturelle du père de Roux, à l'archidiocèse de Port-au-Prince, au diocèse d'Ansavo-Miraquane, aux membres des congrégations des petites servantes et des petits serviteurs de Jésus Hostie. Nous remercions d'une façon très spéciale Dieu le Père Tout-Puissant pour le don du Père de Roux à sa famille et à l'Église. Avec révérence, nous remercions Son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas et Son Excellence Monseigneur Alex Verbier pour ses mots d'encouragement et les principaux conseils dont ils nous ont prodigués. Nous remercions le vicaire général. Nous remercions également les vicaires épiscopaux, les pères des différents diocèses pour leurs gestes de solidarité. De tout cœur, nous disons un grand merci aux nonces apostoliques d'Haïti pour leurs mots de sympathie. Nous disons un grand merci également à notre frère Père James Midi pour son sens de service et du devoir bien fait. Avec respect, nous remercions la famille du Père Lionel de Roux pour la confiance placée en l'Église en donnant son Benjamin à cette institution sacrée. Nous disons merci à tout membre de la Fondation Père Lionel de Roux qui Haïti ou bien qui Canada
pour tout un service qu'ils rendent à la communauté. Surtout l'amour en souffrance fait des mouilles. La réalité maintenant, à connaît là, à cause du coronavirus, à cause du pas à voyager pour être présent à nous. Nous disons tout le temps merci pour le sacrifice. Nous avons profité de merci tout à tout le temps qui a fait de nous qui Haïti à l'autre pays étranger. C'est grâce à ces citoyens que Pédéo est arrivé à réaliser toute belle bagaille et réaliser pendant le passage de sous terre. Et nous avons dit, avec la grâce de Dieu, tout est Pédéo. Tout ça a été commencé à continuer, j'en ai souhaité. Je dis merci à toute communauté religieuse qui vient soutenir nous dans le moment difficile de ça. Merci à toute la religieuse qui t'a espéré là, mais qui n'est pas capable là à cause de la situation au moment. Je dis merci à tout docteur qui te baille perdre aux soins depuis dans l'hôpital Saint-François de Sales, passé dans l'hôpital Saint-Joseph, et dans l'hôpital Sainte-Marie, continuer dans le cas de communauté à chaque masse pour venir ici à la monastère avec Miss Leni. Nous disons encore merci pour tous les professionnels de santé qui prennent soin perdre aux. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé nous d'une façon ou d'une autre dans le moment difficile ça nous t'a supporté. Et surtout, le monde qui t'a aidé nous dans la prière pendant une année à quelques jours de souffrance perdue. Nous disons tout le monde ça, merci. Nous disons un grand merci tout à la caméraman qui mettait nous en direct sur Facebook. Service ça permet que tout le monde qui est Haïti, Canada, France, Italie, pour citer ça seulement, qu'à vivre nous en direct parce que le monde a traversé une situation difficile qui cause le pas qu'à présent. Nous disons merci tout à tout le monde qui fait le déplacement dans le moment difficile. Ça. De façon spéciale, nous disons tout merci. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. La terre va cacher en son sein le corps du Père Lionel de Roux, mais son esprit de sagesse s'incarne toujours en nous. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que son nom soit béni. Merci. Hommage au révérend Père Lionel de Roux. Pendant le passage li dans le nous, c'est tout ça qui est plus ancien dans l'orphelinat. Bon Dieu bail, bon Dieu prend, c'est pour nous les bénir. Je dis un petit mot, nous avons tout ancien et nouveau timoun dans l'orphelinat, ni ça qui est là, et ça qui n'est pas présent. De l'expérience nous, pendant nous, tu es côté mon père. Parce que l'orphelinat, c'est tes premiers œuvres, mon père. Père de Roux, te remets nous en pile et nous te remets tout. Parce que te connais des petits mouns qui sont maman et ça qui pas capable. Aide nous dans l'éducation famille, sorti dans l'école classique, professionnelle et même université. Mon père te gagne la charité en pile pour nous, surtout pour ceux-là qui pipent pour vous. S'il t'apprend que gagne un monde qui vient contre meilleur, c'est ce qui choisit le besoin. Il préfère quitter meilleur sans manger au lieu pour ta quitter mon nom à l'école. Il te apprend nous prier, remet, bon Dieu, et surtout consacrer nous à la Vierge Marie. Nous ne sommes pas pour nous finir de parler de Père Lionel de Roux. Mais quelques petites paroles, il te compte toujours dit nous. Simon, quand est-ce que tu as nous? Ajoute Saint-Catherine ou bien Saint-Flamme pour nous scapuler, pour nous protéger sous nous, comme ça, nous toujours sous protection, Maman Marie. Il toujours surveiller si Timounio mettait bon rack, si tout ça qui est déporté
sinon le pape ban nous la communion. Les dit nous, la prière pour mon mari, du chapelet, confesser, assister la messe, communier pour nous vite saint, même chant à toi, si nous Fatima. Il fait nous écrire non nous mal dans la caille pour nous vite saint. Nous avons toujours répété la phrase. Une négligence qui a fait perdre un grand avance. Si nous avons pour nous parler de l'humilité, gros nègre ça, nous ne pouvons pas chanter fini. Il était toujours tenace pour apprendre nous dire merci. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on attend. Avant de parler, il est en dire bonjour Saint-Père ou Sainte-Mère. L'humilité, c'était un pilier qui te chapeauté la vie. Il était toujours à répéter nous. Humilité, rendre service et puis remettre bon Dieu, c'est plus belle portion que nous devons choisir. Père Lionel de vous, vous avez toujours gravé dans la mémoire nous chaque. Vous êtes un modèle spirituel pour nous, surtout dans la confession. Vous prenez devant nous derrière. Allez en paix. Nous connaissons mon Dieu et vous accompagner dans le grand jour de ça. Priez mon Dieu pour bonne force, pour nous accepter toute souffrance, pour nous vivre saints, même Jean Avel. Merci. Parce que pendant plusieurs années, pour te démitter sous chemin, Père de vous, et qui te permet, eh bien, congrégation, reconnaître et parvoir, madame l'équité, Père de vous, année. Ça ne veut pas dire que, autant que peut-être, de comprendre ni joindre dans moi-même, mais autant de joindre dans lui-même tout. Dans toutes les rencontres, une école, des liens avec lui, ça te permet, moi, eh bien, sanctifier moi. Donc, moi, je vous dis, Père de vous, merci pour ça, t'es pour moi. Moi, je vous dis, Père de vous, merci pour ça, t'es pour l'église là, entière. Moi, je dis, Père de vous, merci pour ça qui est au diocèse, en savoir, Mirabouane. Je lui dis merci pour la congrégation ça, qui fait pour nous-mêmes, sous terre. Chaque fois que nous sommes, je lui dis une parole ça. Je lui dis, Monseigneur, nous avons besoin un arc-en-ciel qui vous veille sur terre d'Haïti, qui vous veille sur l'église d'Haïti. Et c'est ça, vous appelez au prix, mon Dieu, avec tout le cœur. Et depuis, il m'a dit recevoir nouvelle que santé a dégradé et que, eh bien, il m'a traité en pile jour. C'est drôle. Gagner une idée, pas une idée, mais nous penser, nous venons dans la Bible là, qui était habité, oui. Et je me sentais que c'était toute la vie, Père de vous. Et les paroles, ça nous vient ni dans Philippiens, chapitre 1er, verset 21 à 24. Christ, c'est la vie. Et mourir, son bien mourir. Christ, c'est la vie. Et mourir, c'est mon bien mourir. Cependant, nous devons continuer à vivre. Si vivre sous terre, eh bien, tu es capable d'une occasion pour faire travail, mon Dieu. Avancer. Mais adjoint Christ est plus avantageux pour moi-même. Je sentis que dans les derniers jours du Père de vous,
Awa sa fuman pinerize prezo nan san kèl. Telman te reme kris, si ta reme a jwen ni le pluto posli. Men telman te reme kris, telman ta ita prefe pou l'eglise lan, ita reme prolonje la bibi pou kontinue travay lan. Ebe jodi an, perdu ou, jodi an, ebe, e alyans sa ou te fe avek kris sa pendant te soute a pou konsome. Voilà que maintenant, ou le bonheur éternel là, côté ou bon Christ là, côté ou vivre, tout ça, côté désirer vivre. Merci mon Dieu pour tout ça. Et c'est parti, moi, aller à Québec et bien que Niblan. À tout clergé ni blanc qui représente ici là, mais c'est pas dire les autres, parce que la congrégation, c'est mon paratonnerre, c'était le conseil de l'Église, c'est pas un paratonnerre pour tout César, c'est mon paratonnerre pour toute l'Église. Alors, on est que réellement, et nous apprécions et choses. Et dernier mot, d'avoir dit, et me voulait tout que population ici, là, l'étendrait, je dis à Wicker, à l'action de grâce, pour dire mon Dieu merci, d'être que mon Dieu t'a poussé, Père de vous, poussé ici, là, l'étendrait, il est venu planter. Congrégation ça. Et c'est ça. M'a demandé vers de haut que chaque monde ici là dans l'état rien prenne conscience de ça. Ça vaut une congrégation contemplative qui l'a mis en lieu. Et le dernier mot, bon, c'est nous-mêmes. Tisséo et mes petits frères et mon confrère qui aime tout, que nous avons adressé tout. Vous voulez dire qu'on y a, Chaïla sous compte. Chaïla sous compte nous. Et mon Seigneur m'a dit, nous avons commencé et continué. Et bien, Chaïla, il repose totalement mon lien sur nous-mêmes. Donc, mon Seigneur Dieu m'a donné des responsabilités avec l'absence de Père Dieu, mais donc plus grande responsabilité. Et mes soeurs, mes frères, mes petits frères, mes petites soeurs, grande responsabilité nous. Amen. Prends responsabilité nous. Amen. Pour que ça, Père, de vous te concevoir par la lumière de l'Esprit Saint, parce que tu es toujours docile à l'Esprit Saint. Chaque fois, il dit, ouais, c'est ça, tu es toujours dit. Et tu as fait volonté de l'Esprit Saint. Il dit, ma prière pour que moi, clair, côté libre, m'aime avec congrégation. Alors ça m'a dit, chaque petit soeur, chaque petit frère, prend responsabilité nous en main. Pas oublier, c'est premier congrégation contemplative haïtienne. Okay. Première congrégation contemplative haïtienne, nous gagnons dans le pays. Nous avons charge sur nous. Nous avons charge sur nous. Quand charge sur nous. C'est la meilleure façon pour nous rendre hommage à différents. C'est la meilleure façon pour nous montrer, nous comprendre, eh bien, tout sacrifice qu'il a fait pendant qu'il est là. Qu'on y a, il vient mener bon combat, qu'on y a arrivé
de la vie éternelle, certainement va continuer à assister à nous. Pas pour elle parler à nous, pas pour elle appeler, mais pour les pères de roi, toujours là, à gérer, à garder nous, à garder qui ça va faire et qui va marcher. Non pas comme un juge, non, mais tel mon papa. C'est mon papa pour l'aider. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. Vous aurez toutes sortes de problèmes. Vous aurez toutes sortes de difficultés. Même quand on est bien de vous, on aime ce qu'il a raconté. On ne peut pas quitter ni petit garçon, ni petit fille faible. Par force, par courage, vous prenez responsabilité. Non, mais pas. Nous, chaque particulier, pour dire moi-même, est tel. Je dis à mon cadavre, faire vous la responsabilité de continuer cette œuvre en me donnant tout entier, comme Père de vous s'était donné tout entier pour offrir à l'Église, pour offrir à Jésus-Christ, eh bien, cette œuvre. Congrégation. C'est une congrégation. Grande responsabilité. Grande responsabilité. Nous parlons pour vous. Vous êtes toutes les salles capables de vous. Vous êtes toutes les autres capables. Toutes les églises universelles capables de vous. Et nous connaissons les grands-pères qui ont oublié. Nous connaissons les grands-pères. Hein? Non. Et alors, grand-père, oui, mais appuyez sur papa. Pas ça? Grand-père, oui, oui. Mais, papa a pu prier. Allez, je vais toujours continuer à prier pour nous mettre la prière dans la prière, moi, pour que mon Dieu bénisse nous toujours aussi, puis plus, puis plus loin, puis plus loin. Moi, maintenant, dans mes paix, puis vous. Ici, et. Je vais leur dire à Dieu, hein, parce que l'autre, ça veut dire que Dieu continue à non! Ce n'est pas le dernier adieu, mais je mettais A et puis mettez Dieu A avec des majuscules. Nous remettons le Père de vous à Dieu et nous allons conserver le souvenir de tout ce que nous avons bénéficié de lui pour que eh bien, ce souvenir nous aide à aller chaque jour plus en avant, plus en avant. Pour, eh bien, ne pas regretter, ne peut pas regretter de ce que ils font des congrégations. Non. Jamais ça n'arrivera. Jamais ça n'arrivera. Père de vous, donc vous voyez tout, et la congrégation masculine, et la branche masculine, et la branche féminine, et vous connaissez que vous avez besoin de tout ce secours spirituel, matériel, vous avez besoin pour vous construire sur la terre haïtienne. Et bien, deux congrégations, une seule congrégation à deux gauches, contemplation. On voit qui la frère s'est endormi, que dans la loi de Dieu est baptisé, montons-le, dans la reine de Dieu, et chaque baptisé, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Donc la retournée, quand on va parler de prière. Tout ça, on est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris la parole du Seigneur. Oui, trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père, dans la vie. Reçoit un héritage, papa, avec les saints, l'éternité promise. Et aussi le Seigneur, pour nous-mêmes, prions pour les petits frères. Prions pour les petits frères. Prions pour toute la famille du Père, de vous et ses proches. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre Père à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette épreuve des faux à maman Marie. Je dis certainement que, et il a compris sous cela, et que la chanter, j'irai la voir un jour. Marie, c'est pour moi.
Okay, we're gonna make it.
Bon Dieu grand maître, depuis Jésus mourit et l'y levé, t'es ça, pas de pouvoir qu'un bé prisonnier pour tout temps. Mais l'y tourne en place côté yo déposé corps qui gagne j'aime la vie qui va jamais finir. T'en prie, bon Dieu, papa, pour t'être Jésus, petit roi, qui t'est levé bien vivant sautant tombe lit, bail corps, paix, Lionel Grégoire de Roux, qui t'est baptisé dans Jésus-Christ, repos l'immérité. Après toute fatigue liyo, en attendant d'y joindre ensemble avec toute création, hein, délivrance totale, ou promettons-nous pour dernier jour. Hein. Par pouvoir Jésus, grand maître nous. Hein. Amen. Ta sainte présence qui de tout mal.